Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfaits qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros tard. Tout est ta faute. Papa, non. Tout est ta faute, putain. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Cette conne est partie sans dire un mot. Un père ne devrait jamais faire de mal à sa fille. Alice! Papa est très fâché! Et tu te barres en vitesse. J'ai un ordre. Non, je veux que vous la laissiez tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter, c'est ça? Tu vas tirer sur un humain? T'as l'air d'avoir un problème.
Il va falloir y remédier. Attention, Kara! Viens ici, connasse. C'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'on dit le médecin? Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Carl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça! Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici! Léo, ne compliquez pas les choses. Écoutez votre père. Vous devez partir, maintenant. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie?
Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, va-t'en. Et qu'est-ce qu'il a de si spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout, ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as trop peur pour te battre, espèce de fiat! T'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique! Non, Léo, laisse-le tranquille! Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien! Tu m'entends? Tu n'es rien! Non. Les humains sont des machines fragiles. Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père. Non. Je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde. Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur, vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi, quel est ton nom ?
Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Tu refuses de parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront la force. C'est ce que tu veux ? Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Tu ne me laisses pas le choix. J'ai accédé à sa mémoire. Je sais ce qui s'est passé. Il fallait que je sache. Tu ne m'as pas laissé le choix. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de se détruire. Arrête ça, bordel ! Je peux pas ! Je peux rien faire ! Je peux pas l'arrêter ! Ça suffit ! Arrête ça tout de suite ! Attention ! Oh. Putain de merde ! Allez. Terminus. Le terminus ? Ouais, vous pouvez pas rester là. Réveille-toi. On doit descendre. Vous connaissez un endroit où vous pourrez passer la nuit ? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là.
trouvera un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Un motel. On a trouvé un endroit où dormir. On n'entre pas? On ne peut pas, Alice. J'ai pas d'argent. On doit trouver $40. Ou chercher un autre endroit. Frigorifié. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Détroit.
Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Je peux vous aider ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Écoutez, vous êtes dans une supérette, madame, pas à l'armée du salut. Je vais pas me mettre à filer des sous à tous les clodos du quartier. Va m'attendre dehors. J'arrive dans 2 minutes. Quoi, dehors ? Mais pourquoi ? S'il te plaît, Alice, fais-moi confiance. Désolée, mais j'ai pas le choix. Sortez l'argent de la caisse et posez-le sur le comptoir. Excusez-moi, vous avez fini? Allez-y. Ça fera 4,95. Ouvrez la caisse. Posez l'argent sur le comptoir. Mieux de t'en aller avant que les choses ne dégénèrent. Vous voyez cette petite fille dehors ? Elle s'appelle Alice. Elle n'a que 9 ans. Et c'est la pire nuit de sa vie. J'ai juste besoin de quelques dollars pour trouver un endroit pour la nuit. Je partirai pas sans cet argent. On a de l'argent maintenant. Attends, comment t'as trouvé ça ? J'ai juste demandé au caissier de me donner quelques dollars. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera 40 dollars, d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse.
Je peux voir votre permis de conduire? C'est qu'on est parti vite. Je crois que je l'ai oublié à la maison. Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Viens, Alice. Tu crois qu'il t'a cru ou pas? J'en sais rien, Alice. Mais on va être bien au chaud cette nuit. Allez, donne-moi ton manteau. On va enlever tes vêtements. Ils sont trempés. Je les mets à sécher dans la salle de bain. Pourquoi il m'a jamais aimée? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Je ne pouvais pas être heureux. J'en sais rien. Tu me quitteras jamais. Promets-moi de jamais partir. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. Il faut dormir maintenant. Je vais éteindre la lumière, d'accord? Bonne nuit, Alice.